Yo, salut à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Ho ho! Alors, mais aujourd'hui ça va être quoi? Mais aujourd'hui ça va être du GTA RP, je vous le dis, c'est pas bolet de merde. On va faire du GTA RP aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va faire du RP. Voilà. On va aller jouer avec David et le frangin. Et puis bah en espérant que on ait des petits gars qui nous rejoignent en cours de route. Voilà. Alors. Il est où 5M? Putain. Même plus ce que je fais de mon bureau. Oh, ce bordel là-dedans, c'est pas vrai ça. Hop, passer en stream. Pom pom. Pom 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 pom. D'ailleurs, ce qu'elle arrive, ma fenêtre. Voilà, nickel. Impeccable. C'est aller devant ma tronche, ça, pour le faire. Alors, bref. Décidément. Bon, allez, hop, mon petit écran de retour. J'ai pas surélevé mon clavier, ça va me faire chier. Bon, tant pis. Alors, connexion. Hop, voilà, on va se connecter. Hop, allez, on est parti. Alors, je mange un coup quand même. Tu me rends de l'eau. Et je vais manger un bout. Qu'est-ce que j'ai? J'ai du poulet teriyaki avec. Voilà. On va se remettre bien. Salut, yo Lord Fano. T'as eu un peu cette dégaine? Alors comme d'hab, je connais pas le chemin par cœur. Pourtant c'est pas loin. À mettre la ceinture quand même. On sait jamais, un accident c'est vite arrivé. Ça va mon petit Lord Fano? Hey. Ah ouais, après le live, bim bam. Après, je suis venu direct. J'ai fait allez hop, je pose mon follow. Voilà. Ici, c'est mon follow. Regarde, tac, paf, je le pose. Bon, écoute, ça va tranquille. Hein. Bon, comme d'hab, j'ai un peu bossé sur le serveur ce matin. Toujours des petits réglages et tout pour peaufiner les choses. Oui, merde, faut enlever la ceinture.
Donc voilà. Et puis bah là, on va faire un petit peu de RP, histoire de jouer, puis de. Voilà, puis de donner envie aux gens de venir nous rejoindre, quoi. Hop. Je prends quoi? Putain, j'ai oublié de remettre ma voiture d'exposition. C'est pas grave, je la mettrai ce soir. Je vais prendre quoi? Je vais prendre l'Audi aujourd'hui. Voilà, je vais prendre l'Audi. Allons faire de l'essence. On va aller faire de l'essence, car c'est important l'essence. Ouais, il va falloir le temps de charger des trucs parce que j'ai vidé mon cache. Hey Didi, fais-moi de l'essence mon gars. Hey, c'est dans la voiture hein, qu'il faut mettre Didi, hein. C'est pas dans le poteau, hein, allez. Ah là, tu verses essence à travers le carreau, hein, bien sûr, sur la banquette arrière. C'est bon pour le cuir. Ah bravo, Dédé. Putain, c'est dur. Arrête de picoler, Dédé, bordel de merde. Merci, Dédé. Je vais me remettre ma vue, j'aime bien mettre ma vue à moi, voilà, la vue rapprochée, c'est ce que je préfère. Bonjour monsieur, bravo. Vinwood Park Drive, ok ça marche, c'est parti, accrochez votre ceinture! Bah oui, et puis c'est Uber, hein. Faut que ça soit quand même la classe. Hein. Mais je trouve que la voiture, elle pue la classe quand même. La classe la voiture quand même. Hey, bonne soirée monsieur. Ah oui, mais vous êtes con aussi, arrêtez de vous mettre devant la voiture comme ça, vous collez pas la voiture, hein? Pas vrai ça, je suis gentil, je vous dépose, espèce de connard. Foiré. Ouais, c'est un métier, Hubert. Ouais, c'est un job, regarde. Je suis, voilà, un métier Hubert patron. D'ailleurs, je crois que je suis Hubert, mais j'ai même pas le permis. Je crois que je me suis remove le permis. Ah, pas sûr, attendez, je vais regarder. Regardez son permis de conduire. Mais j'ai pas de permis. Je n'ai pas de permis de conduire. Qu'est-ce qui se passe? Ça va déranger quelqu'un que j'ai le permis de conduire? Je n'ai pas le permis de conduire. Qu'est-ce qui se passe? Je vais aller le passer. Il faut que je le repasse. Allez, direction auto-école. Ça me fait pas plaisir, mais j'ai pas le choix.
J'ai pas le choix, parce que sinon je vais me faire engueuler par la police. Si la police, bon, il y en a pas là pour l'instant, mais on fait comme si. Ça fout mal le patron du Uber qui a pas son permis, quoi. Commandant de la LSPD, il est en RTT. Il est en long RTT. Putain, les réflexes de ninja que j'ai. Oula, voilà, on va pas escater les voitures, le bolet de merde. Et vite, j'ai rendez-vous avec l'auto-école, les gars. C'est pour le tout, mais le permis, ça attend pas. Mec, il a passé son permis quand même en Audi A8, quoi. Ah, c'est une fainéant ce commandant. Ah ouais, ouais. Prend du bon temps et tout. Putain, insolent quand même le mec qui a au permis de conduire avec une Audi A8, quoi. Et alors, c'est parti. Donc, à quel moment on passe au vert? Quand il est rouge, tête de con. Quand vous êtes dépassé par un autre véhicule, il est important de ne pas regarder dans les rétroviseurs. C'est pas bien, faut pas regarder dans le rétroviseur. Tu fonces, tu l'emmerdes. S'il doit doubler, il a qu'à avoir ce qu'il faut sous le capot pour le doubler. Hein, alors, j'accélère. Bim. Piéton est au rouge pour les piétons. Ben j'observe avant de continuer, je vais pas le laisser passer, je suis pas l'abbé Pierre non plus. What blood alcohol level is classified as driving while intoxicated? Je suis bon, hein, en anglais. Je sais pas pourquoi cette question elle est en anglais. Merci Wizbot, merci. Désolé pour W Guitarman et Orc. Vous êtes fait botter le cul par Wizbot, les gars. On va venir faire n'importe quoi. Vous n'êtes pas chez vous, vous n'êtes pas chez votre mamie. Vous vous apprêtez à tourner à droite, mais le piéton il traverse. Oui, bah, je le laisse passer. Attendez que le piéton est terminé. Voilà. Avant chaque changement de fil, on doit faire tout cela. Est-ce qu'il est permis quand vous dépassez de conduire sur la route opposée? Voilà, hop, 50. Voilà, bim, 110. Bim, j'ai même pas besoin de lire la question. Bam. Voilà, j'ai réussi le test. Youhou! Ça me fait chier de repasser le permis, les gars. Ça me fait chier de repasser le permis. Je vais peut-être voir, David, je sais pas si tu m'entends, mais je vais peut-être voir pour changer la touche du coffre. Je vais essayer, je vais voir. En fait, ce qui me fait chier, c'est qu'avec la manette, c'est quand j'accélère, c'est le... C'est la même touche que pour le coffre, donc il me dit pas de véhicule à proximité. Et en fait, à chaque fois que je roule en véhicule, il me met ce message et ça me fait chier un petit peu. Alors c'est pour mon propre confort personnel, je l'avoue, je le dis. Voilà. Quand tu veux, hein. Voilà. Quand tu veux, tu me laisses repartir. Là, ce que j'aime bien, c'est qu'au moins dans ce permis, voilà. Faut pas dépasser la limitation, mais tu t'en fous des feux. Les feux, c'est obsolète. Ah, par contre, on a vraiment le truc de merde, voilà. Donc on n'a pas le choix, on est obligé d'attendre parce que monsieur est sur le point. Allez.
Ah, monsieur est sur le point, monsieur nous fait chier. Ah, salut à ceux qui arrivent sur le live. Et là, attention, on va pouvoir rouler 120. Et c'est parti, on s'enflamme avec la blista. On va pas trop s'enflammer parce qu'on va faire des erreurs. Parce que oui, elle est capable de les dépasser les 120 km/h la blista. Donc on fait attention quand même. Lui il est bourré là. Pas parce que t'as une voiture électrique. Hein. Bon, en montée, on risque pas de les dépasser, ça va. Ça va. Non, je suis occupé. Je sais plus. Je sais plus ce que je disais. Oui, tu peux aller te reposer si tu veux. Oui, oui, tu l'éteins. Tu vas aux toilettes avant de te reposer. En quoi que non, tu as été tout à l'heure, c'est bon. Ah oui, la touche, ouais, je vais essayer de voir si je peux pas trouver une autre touche pour le coffre. Parce que t'as vu, quand tu joues à la manette, ça te met toujours pas de véhicule ouvert, pas de véhicule à proximité. Ça met toujours le message vu que c'est la touche du coffre. On va voir quoi. Je verrai ça. Déjà, faut que je regarde si j'ai bien fait toutes les tenues des jobs. Donc, si j'ai pas fait, que je finisse quand même. Quoi? D'accord. Ok, ça marche. D'accord. Allez, repose-toi bien. C'est chiant de rester concentré sur la vitesse. On a failli dépasser là, on a failli faire un excès de vitesse. On va passer le... Ah, j'ai dépassé. Ah, j'ai dépassé, voilà. J'ai fait une erreur. Quoi, Benjamin? Oui. En fait, c'est tellement chiant. Tu as vite fait d'appuyer un petit peu et hop, te dépasser quoi. Voilà. On était vraiment à la limite et hop. Hop, et voilà. On a le permis, c'est bon. On est en règle.
C'est une bonne voiture. Ils sont où ces foutus clients là? Il y a pas de clients. Bien le bonjour monsieur, Strawberry Avenue, pas de soucis, on y va. Hop là, vous avez vu ce dérapage, monsieur? Oui, je suis un pilote. Moi. Hop! Ah, là, à peine frôlé. Vous êtes impressionné, je le sais. Je le vois dans vos yeux, monsieur. Hey, passez une bonne journée. On va aller à Subway, tiens, on va aller manger un petit bout à Subway. Allez, hop. Faire une pause, on va aller au Subway manger un petit bout. Ouais, je vais faire rater mon virage. Par contre, il faudrait laisser un petit peu de place pour les autres. David, t'es sur le live ou pas? Il faut vraiment que tu penses à... Tu penses aux gens qui puissent se garer, David. Il faut vraiment que tu... faut vraiment laisser le chemin... ton camion, ce que tu peux faire, ton camion, tu peux le, pour faire une pub, tu peux le mettre en plein milieu là-bas. Si tu veux faire de la pub, à la rigueur, tu peux le mettre ici, tu vois, tu le cales ici, comme ça, ça gêne pas.
Hey, comment ça va, Luc? Ça va bien? Ah, attends, putain, j'ai encore mes AirPods, t'inquiète, Luc. Il m'énerve, ce TeamSpeak, à m'enlever mes enceintes à chaque fois. Putain. Ouais, Luc. Oui, désolé, toujours les AirPods dans les oreilles, à chaque fois j'oublie de les déconnecter. Il n'y a pas de souci. Comment tu vas? Écoute, tranquillement, tu vois, je viens de me lever, il n'y a pas beaucoup de clients là, c'est... Voilà quoi. Et toi, ça va? Ouais, on s'occupe un petit peu par-ci, par-là. Ouais, bah oui, j'imagine quoi. Ouais, bah Bon. ouais. Bah écoute, je vais fumer une cigarette. Viens fumer une cigarette. Après, je vais prendre un petit encas. Ouais, il n'y a pas de souci. Non, T'as des non. cigarettes, mon petit Luc? Non, faut que j'en. Bah viens, je vais t'en donner une, t'inquiète. En plus, ça Tiens, tombe bien, attends. normalement, il y a une commande de jus de raisin qui devrait arriver. J'ai pas ça. Hop, tiens, viens, voilà mon petit Ah, Luc. je te remercie. Hop, c'est une vraie cigarette, hein, celle-là, t'inquiète pas. Bon, les affaires se passent bien. Oui, je viens de vendre 5 menus, donc c'est. Cinq menus, ouais, c'est cool. Et au patron du vignoble, donc. Mais là, il est un Ah, peu. Il... c'est lui avec la voiture que je viens de passer, que je viens de voir partir là. Ouais, mais il revient. J'ai passé une commande de jus de raisin, comme ça. Ok. Je peux encore vendre, et puis ça fait de la pub aussi, donc. Ouais, bah oui. Oui, puis quand tu seras connu, qu'il y aura du monde qui viendra, qui voudra des Subway, tu vois, tu pourras faire des petites ventes avec ton camion et tout, tu vois. Parce que je vois que t'as un beau camion là. Ouais, mais faut que. En fait, je l'ai mis là parce que j'ai des pâtes pour les transformer. Donc, Ouais, bon je voulais. j'ai vu que c'était encore le bordel devant là. C'est vraiment, il y a de la circulation. Et ils viennent même pas te prendre un petit menu quoi. Ah non, mais ici, ils sont tellement. Ils passent, mais ils sont Ouais, ils plutôt abusent, pleins ouais. de. Regardez, j'ai un petit peu trop dans mes poches. Ah, Excusez-moi, j'ai galère avec le juste nouveau tant que j'y clavier. pense, pour le moment la caisse enregistreuse elle est cassée, donc il faudra les donner les soins liquides pour que je les mette dans les caisses autrement. Qu'est-ce que tu me racontes? Comment ça? J'arrive plus à faire les factures en fait. Ah bon? Attends. Attends 2 secondes, je regarde quelque chose dans mon portefeuille. Pas de soucis. Donc comment ça se fait que les factures ne fonctionnent plus? Et que j'arrive pas à me settler le job, c'est chelou quoi. Alors, paf, paf, paf. Suis désolé, hein, mais bon. Vu qu'il n'y a que moi sur le truc, j'ai pas le choix que de régler le problème. Mais si, pourtant c'est ça. Ouais, Alors. Oui, mais même, regarde, il marque que le job il n'existe pas. Tu vois? Il marque que le job il n'existe pas. C'est deux. Ah oui, ok, deux. Ok.
Là, tu as reçu quelque chose? Ouais, j'ai un petit souci, je crois. Je crois que faudrait penser à prendre ton service. Oui, mais j'y arrive pas en fait, j'ai pas accès à mon service. Comment ça? La touche ne veut pas en fait. Le muscle ne veut pas. Écoute, check l'écran et je vais t'expliquer. Voilà, s'expliquer. Je t'appelle sur Discord. Je vais voir ça parce que c'est pas normal. Moi, j'y arrive, lui, il n'y arrive pas. Ouais. Comment ça, t'as pas ton F6? Non, non, regarde mon truc. Vas-y, fais-moi un partage, je vais regarder. Désolé les gars, mais je vais voir c'est quoi le problème. C'est t'as Tu me vu, dis moi je quand t'ai fait c'est la bon. facture. Tu me dis quand c'est bon. Ouais, c'est En bon. fait, tu regardes, genre, quand j'appuie sur la touche, en fait, ça me fait rien, en fait. Appuie sur le F5. Et quand j'appuie sur le F5, j'ai, en fait. J'ai. Quoi? J'ai. Et quand je regarde D'accord. sur le portefeuille, j'ai gérant. Quoi? Ben, essaye de te déco-reco. Ce que j'ai fait tout à l'heure et ça. Par contre, tu vois, j'ai une erreur là. Non, mais ça, c'est pas grave, ça. Donc, Ça, c'est j'ai pas essayé de grave. me Ce que découvrir. tu fais, essaye de. Tu te sets le job police et tu te resets le job subway. Ouais, c'est Vas-y. ce que je vais faire. Comme l'idée, je crois que c'est le 1. Non, C'est le le 4. 4. Je te ramène ta livraison. Otis. Oui, bonjour monsieur. Excusez-moi, hein, excusez-le, il est en train de faire des calculs dans sa Ouais. tête là. Voilà. Donc voilà, voilà. donc maintenant tu te recettes ton Sacré job calcul là, ça Subway. fume là. 4. Alors, maintenant essaye ton F6. Non, toi, il veut pas en Oh, fait. t'as un souci. Hein. Bon, attends, T'as je un reviens. souci. Je vais décoller, je vais Ok, décoller. ça marche. Vas-y. On se retrouve en jeu. Ouais, ça marche. Bon, bonjour monsieur. Ah, vous devez être le gars de la vigne, là. Le gars du pinard. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah, c'est ça, il m'a dit qu'il va recevoir une livraison. Ouais, désolé, mais bon. J'ai dit, ça fait moyen de se pisser dessus, à pisser dans la ruelle, quoi. Oh bah c'est sûr, mais il a pas des chiottes. Le resto. Ouais, mais il aime bien faire ça dans la nature, comme ça, dehors et tout, à la fraîche, avec un petit soleil et tout, quoi. Et vous êtes, monsieur? Oh, je suis Jean-Claude, mon patron. Monsieur Jean-Claude. Eh ben, écoutez. Ouais, je vous serrerai bien la main, mais je vois que vous avez les mains prises. Enchanté, moi, c'est Jax on Ah, 5. enchanté. Donc, je suis patron des Uber. Voilà. D'accord. Ouais. Bon, on va voir s'il revient. Pouf, excuse-moi. Oh, je me fumerai bien un petit. Allez, je vais me fumer un petit bédou, tiens. Ah, faites-vous plaisir. Hop là, voilà, je vais encore le regretter parce que c'est de la bonne, hein. Ça dure longtemps quoi. Vous voulez un petit joint, monsieur Jean-Luc, c'est ça? Jean-Claude? Bon, ça va aller, je vous remercie. Ah putain, vous devriez. Et je vous jure que la vie est une vague, hein. C'est une Ouais. succession de vagues. Mais pas pour le travail. Voyez où les petits Luc là? Bon, du coup, vous faites quoi? Du vin, c'est ça? Ouais, vin, jus de raisin. D'accord. Ouais, justement, j'ai du jus de raisin. Ouais. Je propose au client. Vous avez goûté un petit peu ces petits sandwichs là, comment ils sont bons? Ouais, ils sont super bons. Oh, j'ai pris un peu de tout la dernière fois là. C'est pas mauvais.
Ouais, c'est bon, moi j'aime bien m'arrêter pour un petit encas et tout. Attention, Rob, la Luc. Ah bah oui, ouais, ici. Ouais, forcément, c'est urgent, il quand même faut se laver les mains, quoi. C'est sûr, ouais, pour faire un Ouais, sandwich, vaut bien. mieux, quoi. Ah oui, parce qu'un sandwich à la pisse, je vous raconte pas, c'est pas très bon, quoi. C'est clair. Ah oui, bah oui. Doodaroo, internet loser. Ça va, mon petit Luc? Oh. Public access. Culé. Hop, désolé. Luc, quand tu fais peur à tes petits gars là, fais attention, ils viennent me taper. Ouais, attendez, faut que je vous paye. Oh bah, va ranger. Je ferai ça. Ouais, je te ferai. J'arrive. Je vais poser vite fait ça. Hop là. Bah, du coup, ça se passe bien, Hubert? Ah oui, bah oui, très bien, oui. Ouais, je vais lui donner. Il l'a pas volé celle-là, ce connard. That's just wrong. Bon, comme d'habitude, je vais m'asseoir, Luc. Ouais. Tu l'as vu en liquide ou en facture? Non, je vais faire ta quête. Je suis quand même au bord de la chaise. T'as réparé ta machine, Luc? Oh, ouais, j'ai réparé ma machine. Ah, alors, impeccable. Tu vois, je t'avais dit ça. Fallait juste alors, déconnecter un peu les fils et tout. Alors, je peux vous les vendre les trucs à l'unité ou je peux vous faire des menus au choix. Bah écoute, mon petit Luc, je vais prendre comme d'habitude, je vais prendre un menu. Tu mets un petit wrap garni et puis t'as quoi à boire, dis-moi. Alors, en bois, j'ai du jus de raisin, du Pepsi. Ça vient de chez monsieur le jus de raisin? Oui, c'est bien de monsieur. Ah, bah écoute, je vais goûter ça. Tu mets un petit wrap garni. Bah, t'es mal poli, Luc. Allez, attends pas. Pas fini de parler, tu te barres comme ça, là. Pas très professionnel, tout ça. Bah oui, c'est pas vrai. Ça va ta journée, David? Ah ouais. Ça va ta journée, Luc? Je sais que. Tu veux pas un petit peu de drogue pour égayer ta journée? Non mais je cherche juste les trucs qui me manquent en fait dans les. D'accord. Ça, ouais bah oui c'est ce que je vois. C'est sûr que tu fais pas des sandwichs à CBD toi? Non ça va. Non. Ouais, bah tu me dis hein, si mon petit Luc, tu me dis hein, si t'as besoin de hein, pour faire des petits sandwichs, tu me dis hein, même des petits cookies, tu me dis hein, je peux t'en fournir. Il y a pas de soucis. Du coup, c'était un wrap garni, un Pepsi et en entrée vous voulez quoi? Ah oui, donc en fait tu es parti, tu as rien écouté, ouais, de ma commande. J'ai dit un wrap garni, un jus de raisin et un cookie macadamia. Okay. J'ai pas entendu le cookie, c'est pour ça. Oui, bah oui. Puis t'as pas entendu le jus de raisin non plus, tu m'as proposé un Pepsi. Ouais, je suis trompé de. Oui, bah oui. Bon. C'est pas grave, toi et moi, hein. On a été à la pêche ensemble, hein. Bon, ah, je vais rien dire. Dis-moi, mon petit Luc. Oui. Je connais peut-être un fournisseur qui pourra t'avoir des petits desserts. Est-ce que ça te plairait d'avoir des desserts autres que tes cookies?
Ben oui, ça serait toujours que moi je pourrais les proposer. Écoute, Client. j'ai pris un petit gars là dans mon Uber la dernière fois là. Et apparemment, il fait des desserts. Donc, il m'a filé son numéro. Hein. J'ai pensé tout de suite à toi parce que j'ai dit, bon, t'as des cookies, ils sont super bons, mais bon, tu veux peut-être proposer autre chose. Donc, je vais parler avec lui, voir ce qu'il propose. Et puis, bah voilà, je t'appelle et je te dis ce qu'il propose, tu me dis ce qui t'intéresse, d'accord? Ouais, pas de soucis, pas de soucis. Ok, bah on va faire comme ça alors. Comme On va faire comme ça, mon petit Luc. si les gens n'aiment pas les cookies, je pourrais proposer autre chose. Oui, voilà, je vais essayer de voir s'il n'a pas des petits paquets de chips. Tu vois, les gens, ils aiment bien des petits paquets de chips quand ils prennent un petit sandwich. Après, savoir ce qui sera disponible, ce qui sera possible de faire et ce qui sera disponible, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. On verra. Je verrai avec lui, comme ça, on verra. Et puis, comme ça, il pourra t'apporter des petits desserts. Je pense qu'on va voir ce qui concocte, quoi. Tout à fait. Alors, bah tiens, je vais manger mon petit wrap. Bon, allez, moi je vais retourner au vigneron. Je vais me changer et puis je vais revenir, je pense. Ouais, pas tout de suite, tout ça, j'en serai là. Ouais. Alors, je vais goûter votre jus de raisin, tiens, monsieur Jean-Claude. Alors, qu'est-ce que ça donne, ce petit jus de raisin? Ah oui, c'est bon, mais pas efficace. Hein. Luc, mets-moi un autre jus de raisin, s'il te plaît. Ouais. Bon, bah allez, moi je vous dis tout à l'heure. Ah, tout à l'heure. Faites attention à vous, monsieur Jean-Claude. Alors. D'accord. Ils sont bons ces jus de raisin, dis donc. Bon, tiens, allez, je vais passer à la caisse, Luc. Ouais, pas de soucis. T'as vu un peu ce que j'ai mis dans la gueule à l'autre enfoiré qui est venu me taper là? Non, il tape souvent ici, je sais pas pourquoi. Non, mais en plus, le mec, c'est toi qui le bouscule et c'est moi qui tape, quoi. Non, mais où? Donc, le menu c'est à 170$ et la boisson, le jus de raisin c'est à 30$ en plus. Donc ça fait Ouais, vas-y, bah, 30. tu me fais la petite facture, je te paye par carte. Hop, et voilà. Moi, je crois que je vais aller voir le doc à l'hôpital parce qu'il m'a quand même mis deux mandales, l'enfoiré. Hein. Ouais, au pire, si vous payez des soins, je les payerai au pire des cas. Non, bon, tu rigoles, c'est pas de ta faute, hein, c'est de sa faute à lui. Oh. Mais en même temps, Ouais, avec ce que je lui ai mis, je pense que même des pansements, ça suffira pas. mais bon, c'est quand même moi qui l'a bousculé, donc c'est un peu. Oui, non, t'inquiète pas, y a pas de souci. C'est pas de ma faute, quoi, donc. Bon, écoute, moi je vais aller voir le doc là qui me file des cachetons et puis je vais reprendre le travail. Tu fais attention quand même hein, parce qu'ils sont ils ont l'air agressifs quand même. Ouais, après c'est. On arrivera à les gérer, je pense. Oui. Bon après voilà, regarde si jamais t'as un problème. Ah, c'est compris, d'accord, regarde ce que j'ai dans la main. Oui, c'est. D'accord. Et si jamais tu as des gros problèmes, regarde, j'ai mieux. Ah, voilà. Toujours Ouais, caché dans la veste. je préfère ce ou le gros joujou. Voilà. Ou sinon, bah voilà, hein, celui-là, très efficace, tu as pu voir. Hein, voilà. Bon, bah en tout cas, je te laisse travailler, Ouais, Luc, pas et de fais attention soucis. à toi, d'accord? Ouais, à vous Et aussi. puis je te contacte quand j'ai vu le gars pour les desserts, d'accord? Ouais, ça marche. Bon, bah allez, à plus tard, mon petit Luc! À plus tard. Je vais aller prendre des bandages à l'hôpital. Hop là, j'ouvre la voiture, je rentre dans la voiture, je mets la ceinture.
Alors, l'hôpital, vous allez acheter des bandages. J'ai besoin de me soigner un petit peu. Ah putain, faut que je mette la voiture de drift aussi pour faire des événements. Bon, pour l'instant, il n'y a personne, donc on va pas faire d'événements. Mais quand même. Je me rappelle la deuxième voiture de drift. La première, je me rappelle, la deuxième, je sais plus c'était laquelle. C'est pas par là. Je vais me faire un petit bloc-notes là vite fait pour voir ce que j'ai oublié. Ah, salut Doc. Oui, vous n'avez pas des petits cachets et un petit pansement, regardez. Pris une en plein dans la joue là, ça fait mal. Hein. Merci Doc. Arnaqué le Doc. Doc, vous m'avez arnaqué là. C'est quoi? C'est vous soignez ou... D'accord, vous faites. Vous faites rien du tout quoi. Vous êtes là, vous servez à rien. Ça sert à rien. Faut que je remette mon PNJ là-haut. Lui, je vais l'enlever. Tu es violent, ouais, je sais. C'est, je crois que je l'ai pas mis. Du coup, lui, je vais l'enlever parce qu'il fait rien du tout. Il soigne que dalle. Je vais remettre mon PNJ là-haut. Qu'est-ce que je fais? C'est par là. Oh putain, ah oui. Qu'est-ce que je fous là, moi? Ah oui, je suis passé par là. Quand je suis là. Alors, je vais essayer de voir pour l'activer en jeu. J'espère que ça va marcher, que je vais pas tout faire bugger. Faut déjà que j'aille voir si les portes elles s'ouvrent bien là-bas. Ouais, mais il va pas attendre jusqu'à là. Je crois que la salle où c'est qu'il t'emmène lui, elle n'existe plus. Si je dis pas de conneries. Ah ouais, putain, ça tue.
Ça va être chiant. Celui en fait, il te soigne que dalle, il te file rien, il te file pas de bandage. Je rêve pas, j'ai pas de bandage sur moi, non. Oh, je cherche plus tard. Tant pis. Faut que j'enlève le PNJ en bas et que je mette autre chose. Yo, salut, DZ, comment tu vas? Comment vas-tu? Merde, j'ai ma route de fouetter qui est sur le fil. Bon, du coup, faut que j'arrive à virer ce ped et que j'en mette un autre. Ou alors, je vais mettre les pharmacies, je vais voir. Bah écoute, ça va très bien, je te remercie. Ça va impeccablement bien. Aujourd'hui, je suis pas trop fatigué, pourtant j'ai oh, quoi que j'ai bien dormi, j'ai dormi jusqu'à 10h30, donc ça va quoi. Par contre, la nuit pour trouver des PNJ en client, c'est chaud. Hein. Cours et peau au milieu de la route, bordel de merde, vous allez vous faire écraser. Belle bonsoir monsieur, Los Santos Freeway, c'est parti. Ça va, ça va, ça va, ça va. Je passe rarement par là. Ah oui, le frein à main, monsieur, le frein à main, c'est... Ah, c'est une arme ultime pour les virages. Ah oui, totalement. Les feux? Comment ça? Ah, bon... Ah, les feux rouges! Ah oui, bon, c'est qu'un détail, hein. C'est pour votre plaisir, hein, c'est pour votre confort personnel, hein, je vous emmène plus vite comme ça. Consomme quand même la bagnole. Hein. Consomme un peu, j'ai l'impression. Hop là, ouais, je testais un peu les pneus, hein. J'ai changé les pneus. On m'a dit, c'est des pneus. Hop, qu'elle est partout. J'avais les mêmes jantes sur mon Audi.
Hop, et voilà, monsieur. Hop, allez, Dédé. Fais-moi le plein. Bon, ça va, vous passez une bonne journée, les gars. C'est dur de trouver des clients sans des chars. Pom 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 pom. Pom 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 pom. Bon, ben voilà, on va aller chercher des clients au centre-ville. On se gratte, hop, c'est une ligne droite, on profite. Je me gratte le doigt. On va quand même gagner de l'argent, hein. Faut mettre de l'argent dans la société parce qu'on n'est pas riche. Hein. En tout cas, je ne me suis pas injecté d'argent comme j'ai fait dans toutes les sociétés. Je suis vraiment parti avec zéro dans la société. Thank you.
Pom 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 pom, mais à personne, n'y a pas de client. Bonsoir monsieur, Eclipse Boulevard, pas de problème, on y va. Hop, bonne soirée, monsieur. Du coup, j'ai combien dans la société maintenant ? Touk, 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 touk. 25 000, ça va, ça monte tout doucement, mais ça monte. Hein. C'est très bien, ça. Ah, merde, c'est vrai. C'est vrai que j'ai... Hop là. Alors je vais faire mon fond d'écran, tiens. J'espère pour une fois que ça va marcher. Ça marche une fois sur 50 000. Hop, fond d'écran. Hop, je vais aller sur mon truc. Alors, hop, ImageGur, il est où ? Il est là, ImageGur. Bref. Puff, mes images. Qu'est-ce que je vais mettre comme truc? Bah, je vais mettre celle-là. Hein. Je vais mettre celle-là et puis c'est tout. Je crois qu'en plus il marche pas. C'est lequel déjà que je dois mettre? C'est le JPEG, je crois que c'est le Direct Link. Mais je crois qu'il fonctionne pas le copier-coller là. Je crois qu'il fonctionne pas. Et ouais, non, il fonctionne pas. Ah putain, il va falloir que je l'écrive à la main. Je prends une photo, comme ça, je suis tranquille. Ah merde. Hop. C'est... Cinq. JPEG. Voilà, impeccable. Impeccable ce petit fond d'écran. J'ai 86 816.
Hop, on va aller à la pêche. Poser mes armes dedans. Hop, je vais déposer ma weed un petit peu. Mettre ma weed dans le coffre, tiens. 46, voilà. Paf. Impeccable. Impeccable, j'ai plus rien. Si on va à la pêche, ça va être chiant. Coucou Gigi, comment ça va? Comment que ça va Gigi? D'ailleurs, la pêche, pouf, la pêche est ici. Voilà. Bon, écoute, ça va, je te remercie. Hein. Ça va très bien. Ouais, Kirikou, ouais, pour l'instant, ça fait un petit moment que je l'ai pas joué. Et là je joue un nouveau perso à me changer de la Speedy quoi. Peut-être voir, peut-être faire un peu moins de la Speedy. Pour l'instant. Oh ouais Kirikou, je le laisse de côté pour l'instant Kirikou. Je leur sortirai plus tard. Et toi comment ça va, les Fred? La petite, ça va? Eh, dégage, bordel de merde, j'ai pas que ça à le foutre, quoi. Allez, allez faire le plein. Choisi, tiens, celle-là me plaît bien, celle-là. Cette pompe-là. Voilà. Hop, allez, Dédé, fais-moi le plein. Eh ben oui. Bon, et Fred, comment ça va? Ça marche le serveur ou quoi? J'ai vu qu'il y avait quand même, du monde. Il est content? Pour le serveur, ça va, il a une bonne équipe ou il est tout seul à faire les choses. Ouais, c'est notre serveur ça. Je l'ai refait complètement il y a quelques jours et là on vient de le réouvrir il y a deux jours. Un jour ou deux jours. J'avais envie d'amélioration. J'ai vu qu'au fur et à mesure, en faisant des erreurs, en faisant j'ai appris des choses, j'ai dit allez hop, je vais refaire une nouvelle base. Oh, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ah, c'est bien s'il a une bonne équipe, au moins comme ça, il est tranquille, il peut souffler. Tout repose pas sur lui, quoi.
Hop là, paf. Eh ben voilà, il y a le petit David. Non mais tant mieux, c'est bien si ça marche. Parce que franchement... Moi je dois avouer que des fois je déprime quand je vois qu'il n'y a personne. Ouais, ça mord. J'ai l'impression que Jean-Claude me pique tous les poissons, mais ça va. Bah pour une fois que c'est pas toi. Ça fait un peu de la jalousie ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est calme ici quand même. Bon, ça fait du bien. Ouais, bah oui, bah après, je verrai quoi. Ouais, je verrai. Bon, j'avoue, je comprends Fred quand il était pas aidé avant. Voilà, ils y peuvent rien. David et le frangin, ils y peuvent rien. Ils savent pas faire, mais bon. Tout gérer tout seul, c'est fatigant. C'est pour ça que je les laisse gérer l'autre partie. David, il gère la partie whitelist, administration. Merde, j'ai essayé de partir un poisson. Ah, je viens d'en avoir 9 kilos. Ouais. Ah, belle bête. Une belle bête. Oui, et puis tous les poissons. Pourquoi ma canne à pêche, elle se met... C'est mauvais, c'est tout, Luc. C'est pas grave. C'est pas arrivé. Tu mets quoi au bout de la pas des cookies? Ah, j'ai pas encore l'habitude. Dans le clavier. Non, du poulet, de tabac. Je vais le relever un petit peu. Voilà. C'est complètement. C'est White Wolf RP. Les cookies, je les garde pour nous. Faut pas déconner, attends. C'est pour ça qu'à mon avis, alors tu fais pas de prise. Ah, peut-être, qui sait. Hey, un petit poisson de 3 kilos. Ah, t'as vu, j'ai une belle technique pour pêcher. Je bouge la canne à pêche. Bon, ça va, y a pas un connard qui t'a agressé, Luc. Maintenant, ça va. Après, j'ai l'impression que le mec qui s'occupe du gars, du Yoresno, 6 kilos. Il a un peu contre les bords. Ouais, c'est des choses qui arrivent, ouais. Des cons partout. Ouais, ça c'est sûr. La dernière fois, il est venu avec son cousin ou son frère, là, pour me taper dessus, là, il était à deux. Ah ouais, carrément à deux. Quelle bande de fiottes. Ah bah ça va, ils ont fait dodo après, donc. Ah ouais, carrément. Par contre, David, tu ramasseras ta bouteille de pinard hein, qui traîne à tes pieds. Là. Comment ça, ma bouteille de pinard? Moi, je vois pas. Hein. Tu aimes, Luc, ma technique de pêche, là? Moi, je la vois normale. Ah, c'est bon, ok. Oh, bon, moi, je pêche dans le vent, moi, je pêche avec rien, moi. Ah, oui, ça m'arrive. Allez, je vais leur sortir un requin. Je vais pêcher un requin. Hop là. C'est quoi les appâts déjà? Parce que je les ai pas mis. Pour l'instant, j'ai pas mis la pêche tortue et requin. Je l'ai pas activé. Appâts. Comment ça s'appelle?
Voilà. C'est quoi ça? Doit être protéine shark. Non, je pense pas. Protéine check, non. Merde. Fishing, c'est bait. Voilà. Bait. Ah, j'ai pas, j'ai que la turtle. Ok. Hop là, on va rigoler. Merci, Gigi. À plus tard. Hein. Merci en tout cas d'être passé. Des bisous à toute la famille. Ah, il vient d'un petit 6 kilos là. Ah bah, tu vois quand tu veux. C'est Jax, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Avec le canapé, je vous essayais de faire une antenne ou... Capte bien. Ah bah impeccable, hein. Sans message de des extraterrestres, quoi. Je savais peut-être pas. Ça va, il capte bien les extraterrestres ou pas du tout? Ouais, on va dire que j'ai des petits problèmes. Ah. J'ai des petits problèmes avec ma canne à pêche. Mais disons, comme qui dirait, putain, c'est ça fait chier, ça me traverse la main, quoi. Ah, j'ai une technique de pêche bien à moi. Ah, tord sa mort, après c'est l'essentiel. Ah tiens, mon petit Luc, j'ai un petit truc pour toi. Ah, c'est quoi? Hop, tiens. Tu vas te faire une petite soupe de tortue. Je te dis rien, c'est pas. Hein, c'est interdit. Oui, comme la cigarette magique d'autres jours. Oh non, mais ça c'est. Ça c'est interdit, c'est dans la tête des policiers. Et du gouvernement qui nous opprime, quoi. Ah, ils sont toujours là en train de mettre des amendes pour faire rien de mal. Oui, bon, ouais. Je vois pas pourquoi les vaches pourraient brouter de l'herbe et que nous on pourrait pas en fumer, quoi. Ah, c'est vrai que c'est un point de vue. Sinon, ça passe aussi dans les cookies, dans les gâteaux comme ça, hein, au pire des cas. Hein. Un petit space cake. Oui, moi je les emmerde. Hein. J'ai envie de me fumer un petit joint, je me fume un petit joint, c'est pas vrai. Ah, faut bien, vous avez bien raison. Faut pas se Ah, c'est pas comme laisser. si je m'enfonçais d'aiguille dans le bras. Hein. Puis t'as testé, tu vois, tu navigues sur la vide, mon petit Lucas. Ouais, c'est une expérience à tester au moins une fois dans sa vie, quoi. Ouais, bah ouais. Fais pas genre, hein, t'es pas habitué. Comment ça, je suis pas habitué? Hein? N'oublie pas qu'à l'époque, tu bosses avec moi. Merde, j'en ai plus. J'étais un bon travailleur. Je connais. Ah, les bouteilles de pinard. Ah, tout de suite, on fait passer pour un alcoolique.
Ah, tu as des soucis avec l'alcool, David Luc. Non, non. Moi, je suis gentil, je suis mignon. Oui, tu es innocent, c'est ça? Bien sûr. Je suis toujours innocent. Oui, oui, oui. Tu sais, il y a des gens qui peuvent t'aider, Luc, si tu as des problèmes avec l'alcool. Oh non, non, j'en ai pas. Je te parle pas de stopper complètement l'alcool, puisque ça cassera un peu le business de Monsieur Jean-Claude, quoi, hein, ouais. Si tu achètes plus d'alcool. Bah là, il va peut-être arrêter, Luc, il faudra qu'il paye. Ah, c'est pas la même chose. Discuter, c'est pour ça que je me disais que t'avais le nez un peu rouge, Luc. Non, ça va. Ça va. Oui, bah oui. Oh, dites-moi, monsieur Jean-Claude, vous avez des belles chaussures, elles flashent bien. Ah, merci, merci, ouais. Oh, bah, j'avais pas vu, Luc, t'as acheté les mêmes chaussures que moi, dis donc. Elles sont confortables, celles-là. Hein. Oui, puis au moins, c'est. On peut tout faire avec. Parce que j'ai même pas fait exprès d'acheter les mêmes. Tu peux tout faire avec, comment ça? Oui, tu peux bien marcher, tu peux bien travailler avec. Ah oui, parce que j'allais dire, tu sais que ça sert à marcher. Hein. On s'en casse les couilles, cette canne à pêche là. Oui, après, on peut aussi donner des coups de pied au cul aussi, hein, ça marche aussi. Hein. Oui, bah ça oui, enfin. Moi, si tu savais, moi je préfère les coups de pied dans la gueule qu'un coup de pied dans le cul. Quoi. Tu vois, un bon coup de pied dans la gueule. Un coup de pied au cul, c'est pour les enfants, ça. Ouais, mais le problème, c'est qu'il faut lever la jambe trop haut. Ah oui, c'est... Oui. Bah, c'est vrai que j'ai remarqué que t'as un petit peu de ventre. Hein. Profite bien de tes petits menus, hein. Toi, ça va. Oui. Vous trouvez pas, monsieur Jean-Claude, qu'il a un petit peu de bidou, quand même? Ouais, un petit peu. Même un peu de joue, aussi. On veut dire que je mange à ma faim. Plus qu'à ta faim, tu veux dire, non? Ouais, bah je vais aller revendre du poisson, tiens. Ouais, je vais arriver dans pas longtemps. Et on va revendre le poisson, ça va nous faire un petit peu d'argent. Du coup, je vais couper le live plus tôt que d'habitude. Parce que là, bon, sur GTA, je vais vous faire des lives là. Mais comme je vais faire des lives sur YouTube aussi. En fait, je vous explique pour ceux qui ne seraient pas passés hier. Mais hier, je n'étais pas sur Twitch, j'étais sur YouTube. En fait, je vais faire aussi des lives un peu sur YouTube par rapport au serveur. Pour montrer le serveur à une plus grande partie. Voilà, en espérant que des gens vont venir nous rejoindre, que tout va bien se passer. Et voilà quoi. Bec, bec. Putain. Bon, en tout cas, merci à tous ceux qui sont passés. Merci à Gigi d'être passé. C'est toujours plaisir. Ben, moi, je vous fais des gros bisous. Si vous voulez voir du GTA, vous allez dans la description de la chaîne. Et vous venez me rejoindre sur YouTube, voilà. Donc on va faire ça, une petite heure et demie, là, ça fait qu'on est là. On va aller faire une petite heure et demie, 2 heures sur YouTube, et puis voilà, quoi. Bon, ben, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à demain. Ciao, ciao!